Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Mais nous va pas perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Quand tu vas n'importe travail, et puis n'importe bagarre, est-ce que la loi va pas où? Tu viens garder avancement de travail. Mais c'est dommage, nous manquons de monde dans le pays. Ce n'est pas facile pour le monde. Et c'est le plus gros problème du pays. Et tout le monde doit faire, mais il y a une volonté manifestée pour faire vraiment moi, mon travail, ce n'est pas facile. Donc, avancer, avancer. Et nous souhaitons que les gens, parce que si vous n'avez pas de pays, ça, quel que soit les forfaits, vous n'avez pas arrivé à aucun côté. Et là, les gens, et pas les gens qui ont un chef là pour le travail. Ce sont les gens qui travaillent sans chef. Ce sont les gens qui ont des volontés, pas l'amour, pas la dynamique là dans lui-même pour le travail. Bon, moi-même, c'est aucun chef qui dit, mais là, moi, je suis sorti, imaginons, et à deuxième de Mont-Saint-Nicolas, à 4h moins pour des paix et 4h 10h du soir pour des paix. Je dis moi c'est normal pour mes gars travaillant, mais les mines travaillant certainement et puis n'a travail, mais côté responsable l'état ou pas union. Donc ça a vraiment révolté et bon, le monde responsable ou responsable. Je ne peux pas suivre les gens. Si le ministre est là, ok, ma présidente, si le ministre n'est pas là, il doit dormir. Donc, et quand on a des films privés pour compter, ça veut dire qu'il n'y a pas de supervision. Depuis qu'il n'y a pas de supervision, il fait ça. Et là, légèreté, c'est normal pour une certaine légèreté qui. Bon, moi je souhaitais que demain matin, l'envie là, après, tout mal passé au corrigé. Sans quoi, il y a pas obligé d'enlever un ou bien. Donc, moi je souhaitais que. Et tout le bas, il faut corriger à soi. Hein? Parce que son travail, certainement, nous avons travail à faire vite, mais pour le faire vite et bien. Pour le travail qui vous fait, pour le travail, pour nous une quantité, hein? Mais pour nous une qualité en tout. Donc c'est tout ça, je souhaitais. Mais quand même, nous avons avancé dans le quadrilatère. Et à côté de toutes les révoltes, puisqu'on n'a pas aucun responsable sur le chantier. Hein? Donc demain, je vais oublier de mettre un responsable moi-même. Clair. Donc à côté de tout ça, et. On n'a pas avancé, donc pas oublier, l'objectif c'est rénover la métropolitaine. Non? Donc on prend un projet pilote qui croit de la terre là. Et moi, quoi, la population commence à content. Il y a un petit malfaçon à corriger et puis pour là qu'à avancer. Contracteur là, on doit là, mais superviseur là, on doit là tout. C'est deux mouns qui marchent ensemble, qui suivent la qualité de travail là. Donc, pas oublier, c'est dans la nuit de travail, haïtien par une culture travail dans la nuit. Pour lui, bon côté, la grosse certaine légèreté. Mais la supervision là, a gardé le travail là, a dit que ça n'est pas bon, on nous fait comme ça, on a un travail et de qualité, on travaille qui respecte les normes. Mais lorsqu'il est là pour contre lui, et pour pas une aucun ingénieur vraiment qui a suivi la qualité de travail là, et c'est pas gentil du tout. Donc, supervision, c'est travaux publics pour que absolument, c'est travaux publics. Travaux publics, mais qui est ingénieur, ou une deuxième stagiaire. Stagiaire, c'est un côté avec l'ingénieur là, qui a expliqué, éduqué, formé, dit mais comment chantier fait. Qui ça qu'on est dans le chantier? Imaginez qu'on vient dans le chantier tout noir. Projecteur bien loin. En émotion, le chantier va diriger. Donc vraiment révolté. Et demain, je m'a montré mes contentements et on met quoi. Connaissant Nadir, on a fait n'importe quoi là. Demain matin, on a fait n'importe quoi.
Le conseil des bagages qui est là, on fait effort pour garder calme, pour dire rien. Mais quand même, ce train de aller beaucoup plus vite et beaucoup plus bien si les gens sont responsables sur ce chantier. Ouais, tout le monde est livré à eux-mêmes. Des formes qui travaillent seulement. Et puis, non tout, nous devons mettre un ingénieur sur place qui contrôle les chantiers. Pour moi, pour qu'on dise, c'est quantité seulement de baou. Il n'y a pas de bonne qualité. En 24 décembre, je vais faire un quadrilatère. Je vais boumer et je vais obliger moi-même à quitter le bureau pour prendre le chantier. Parce que bon, si je voulais respecter la date là, par exemple, là, imagine, bon, je vais lever à 5h pour aller dans Mall Saint-Nicolas. De Mall Saint-Nicolas. Ou retourner pour des paix encore. Je quitte pour des paix à 10 ans. Pour moi, là, qui ça, au monde sont sacrés, qui se lié. Ou bien on va travailler, ou bien on va travailler. Ce chef là, pas là. Quel mettre au monde qui est là? Donc, ok, donc, mais on a continué, on a boumé pour nous faire chanter à quadrilatère là. On a boumé pour nous faire l'autre champ de masse. On a boumé pour nous faire l'autre Port-au-Prince. On a boumé pour nous faire l'autre Haïti. Font belle avancée là dans une plateforme que nous avons créé des natifs natal, c'est pour nous mieux communiquer avec la diaspora à travers la plateforme ça. Et bon, disposition que nous avons dit qui prend là et pour fin d'année à travers le ministère là, et c'est peut-être des services que nous avons gagné que la diaspora n'a pas connu. C'est quand comme d'adieu, on dans le kiosque, nous avons un aéroport là, nous avons une machine, nous avons un chauffeur. Il y a de monde qui peut entrer là et que nous sommes capables d'accompagnement, déposer dans l'hôtel avec sécurité et peut-être même si vous pas de monde qui vient chercher, vous avez que nous déposer la caillou, nous avons toujours fait ça parce que nous avons une machine qui est disponible dans les portes là pour ça. Et si vous êtes intéressé pour bénéficier de services, dépendamment du pays que vous avez sorti, pensez que si vous aux États-Unis, ou carré dans 305-735-72-65. Si vous êtes au Canada, vous avez contre Haïti, ou carré dans 514-447-81-61. Si c'est Brésil, vous avez toujours dans 55-484-042-0852. Si vous êtes Chili, vous avez contre Haïti, vous avez besoin de service MAVLA toujours, ou avez toujours dans 56-229-382-414. Et puis la République dominicaine, nous avons un numéro qui est 849-941-0328. Alors, j'en dis, si nous avons un monde qui a sorti dans la zone Europe là comme ça, ou bien Bahamas, dans l'autre côté que nous n'avons pas de téléphone là, nous avons toujours utilisé un WhatsApp que nous était disponible pour nous, qui est 509-41-46-00-91. Alors, le numéro ça nous saute bien là, c'est le numéro que moun qui t'a aimé bénéficier de services nous gagne sous place dans l'aéroport, carrélé, pour dire qu'il y a venu, mais qui j'en relé, pour que déjà nous voyons un monde qui n'a protocole et ministère des Haïtiens à l'étranger, à le compétent depuis l'arrivée, pour aider et prendre ma lettre, à le mettre au chita dans le cœur noir, pour que si vous gagnez nécessité et pour ta fait carte d'identification nationale là parce que m'a tout annoncé ça tout diaspora cap entrer là au mois de décembre que en un kiosque moi dans ministère et haïtien à l'étranger qui en dans aéroport nous gagner nous côté en dans gagner et un technicien ou qui là qui abaille toute diaspora qui entre service pour capable faire quatre identifications nationales. Il y a une pile disposition par le plan que vient de ville qui gagne plus lumière, plus quota d'électricité et par rapport à ça qui baille déjà comme service. Maintenant, la lumière, il marche avec ambiance et puis les fêtes de fin d'année, c'est ça. C'est une fin d'année qui pas bien, nous avons un pays qui était souffri en pile, nous son pays qui était loc. Alors, bon paquet d'éléments en fête de fin d'année, ça qui pourrait paraître, qui pourrait émerger, c'est l'élément sanitaire. Donc, fête de fin d'année, vous coïncidez année ça avec une maladie qui est le COVID-19. Haïti était paradoxalement un rare pays qui a chance
pour parler de fête de fin d'année. Il y a un pile pays qui n'a pas qu'à parler de fête de fin d'année. Donc ça, vraiment, il faut que nous disions que faut nous dire merci. Moun qui chrétien, il a dit merci à bon Dieu, moun qui vaudouisant, il a dit merci à l'Oyo. Mais il faut dire tout, gagner un gros travail qui est fait au niveau de l'État entre 11 mars, 19 mars et jeudi, hein, par ce gouvernement et notamment par le ministère de la Santé publique, qui fait que gagner un travail d'advance qui fait, un travail de préalable qui fait que il y a des dispositions nous prend en amont déjà pour empêcher que la maladie ait fait trop de dégâts. Mais nous voulons quand même attirer l'attention nous sur le côté sanitaire. La fête aura lieu, les fêtes auront lieu, il y aura des fêtes de fin d'année. C'est pas une fête qu'on a renvoyé parce que les fêtes de fin d'année, c'est comme tout pays qui fêtait et Noël sont fêtes universelles et Nouvel An. Mais il y a quand même la maladie qui existe. Au niveau du Conseil des ministres, et il est clairement dit que le ministère de la Culture, tant au niveau du Conseil des ministres qu'au niveau du Conseil du gouvernement, il y a instruction qui passait que ministre Culture et Communication, j'aurais m'a fait là, avec ministre Santé, ils mettaient ensemble pour continuer à faire sensibilisation sous maladie. Hein, et pour faire sensibilisation, ça surtout au niveau des clubs, hein, des boîtes de nuit, des boîtes dansantes, des bars, des restaurants, et de tout lieu de fête, yo, hein, et on y auprès des DJ et auprès des artistes, hein. Donc, c'est très important que artistes, yo, pour yo connaître que, parce que faut attirer attention que fin d'année, ça, là, bon, gros programmation, moi, ouais, qui fait, moi, c'est qu'en tant que journaliste, je suppose comme ça, c'est, j'ai dû jamais vu ça, moi, en termes de programmation. Il dit que de novembre à début janvier, donc, on programmation qui tight, j'en ai dit, qui foule, pas gain des soirées côté ou gain plusieurs balles et de gros balles extrêmement importants. Donc balles ça qui ça vous voulez dire. Yo positif. Je veux dire que paysan la essayer vivre, il veut vivre. Mais en même temps, faut nous attirer attention moun yo que faut que prend précaution. Faut que prend précaution, faut que DJ yo profiter de l'espace ça pour faire sensibilisation. Faut que musiciens et tout yo fait sensibilisation. Et en matière de sécurité, donc il y a un autre volet des fêtes, parce que bon volet sanitaire, bon volet sécuritaire, et qui intéressait nous capables de garantir que au niveau des instances concernées, et d'ailleurs nous pourrons interpeller le ministre de Justice, la Sécurité publique, là même Jean-Noël Sautre, nous pourrons gagner le ministre de là lui-même, ou bien nous gagnons là déjà. Et c'est que le ministre de Justice là, il gagne chaque ministre, chacun ce qui le concerne, un rôle pour jouer. Pas vrai? Et donc, ou t'as capable de ministre touriste qui parlait là, ou t'as capable de ministre jeunesse qui parlait là, parce que fête, c'est des fêtes de jeunes, oui, ok? Donc, faut nous toujours rappeler, tout secteur qui concerné par fête, yo, que, yo gen pour yo fêter, son chance gen à fêter, parce que maladie, nous, à Haïti, li, moi, là, nous, à peine à deux, nous, à 233 morts, hein, nous, gon chiffre de 9000 qui a augmenté lentement en termes de cas, pas vrai? Li, tout petit, mais il est là et il n'est pas disparu. Depuis 3 semaines, on grève qui est censée prendre naissance et normalement par les parquetiers. Et ça a paralysé catégoriquement le système judiciaire là. Et côté parquet à lui-même, et à partir de grève, ça n'a pas un siège et correctionnel qui est capable de prendre, pas un siège civil qui prend, il y a des gens qui sont en prison qui ont besoin de venir juger ça pour que jamais qu'à fait. Et l'État, en quelque sorte, pas manifesté volonté, parce que l'État n'a pas oublié que dans le système judiciaire, il est représenté par le ministre de la Justice. Je pense que pas gagné une velléité auprès de responsables pour que vous rencontrez pas Paquetier et puis vous êtes capable de regarder comment est-ce que vous êtes capable de faire une satisfaction par rapport à la revendication que vous avez demandé depuis 3 semaines. Et donc ça vient ça c'est paralysé. Et nous ne connaissons pas pour qu'il est, et bien ça lui-même la fini. Grève ça. Et moi c'est chrétien catholique haïtien. Et c'est toujours un plaisir pour moi lorsque je viens chercher pain pour moi. Lorsque je viens dans la communion ensemble avec frère Maxime haïtien pareil moi, pour que dans la paix, nous cherchions manger pour nous. Moi j'étais content ensemble avec tout le monde qui est scoff. Je remercie autour pour l'accueil que vous baillez délégation RDNP qui est présent ensemble avec vous. Et prêche paix à tous, les très important côté que paix a dit et à mon cap fait
politique yo pour yo suspendre et investir l'argent dans zam qui a mette question de gang dans la rue, gang kidnapper qui a déjà qu'est bandit légal, pour que yo et de préférence investi dans moun, investi dans terre pour qui pour permettre que moun capable gagner manger, qui pour permettre que moun capable gagner travail. Nous t'es content dans la communauté Kenskoff jodia dans l'occasion Saint-Nicolas qui relé généralement Saint-Soleil et que l'espoir fait vivre. Dans la fondation Eric Jean-Baptiste, nous toujours solidariser du mieux que nous capables et nous connaissons une situation extrêmement difficile que dans le pays a. Nous t'es profité pour nous faire distribution quelques kits à mon qui puis défavoriser pour nous porter aspirine pour cancer pour eux, parce que ça qui permet yo peut-être faire une semaine et que yo kage ki choy pour mettre en d'inventure, mais c'est pas solution ça. Nous-mêmes, nous croyons que solution c'est créer opportunité pour que moun gagne un travail, pour que dans la dignité moun yo capable responsable tête yo. Écoutez, en dans chaque kit, il y a 5 livres pois, 5 livres maïs, 5 livres du riz, il y a spaghetti, il y a saumon, nous mettons cache tout pour que pour moun yo puis capable protéger tête yo contre corona qui toujours là. N'a pas de moun yo pour prendre précaution d'usage yo. N'a pas dit à tout moun Kenskoff, à chaque grain haïtien, moi même Jean-Baptiste, moi remè Haïti. Moi remè nous tout. Haïti besoin nous. Pays a malade, pays a besoin nous. Chay Haïti, li lou en pile, mais pas fouti pilou. Que force nous tout ensemble. Mettez main, prend destin pays nous. Amen. Depuis ces fêtes patronales, c'est activité la mairie, ok. Donc c'est à la mairie d'abord pour que nous féliciter pour très belle organisation que vous faites. Mais même en tant qu'ancien responsable de commune, comme citoyen, moi porter à pomme à commission qui a dirigé commune, qui a une responsabilité commune, pour que et nous connaissons que de loisirs sains, ok, et population, hein, parce que c'est fait, c'est Saint Patron commune, non, Saint-Nicolas, donc mon population sorti et dans toute cette section communale, ils viennent fêter dans le centre-ville, donc nous porter et collaboration nous avec la mairie qui a fait un bon travail et dans la commune, non, ok, donc c'est dans ambiance ça que nous avons en pile monde et en pile activité, ok. Depuis toute une semaine, il y a des travaux qui a fait, de travail que la mairie a entreprendre. Et dans le remerciement que curé paroisse Saint-Nicolas, Père Isaac Nazaire, a fait, où elle dit que c'est une commune qui est dans la zone métropolitaine qui est propre. Okay? Donc, je pense que c'est honneur tout citoyen, tout qu'est-ce qu'on vit, qu'il a habité dans une commune qui est propre. Et ensuite, nous avons aspect sécurité, ok, sécurité là. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est une commune sécurité totale, ok, car il y a des petits cas et légères qui arrivaient, mais commune, tout citoyen, ils ont circulé, ils ont évacué librement à occupation, ok, pas une zone de non-droit dans qu'est-ce qu'on fait, et c'est ça tout citoyen à prioriser. La caille nous pour que gain sécurité dans le temps Kenskoff, c'est là la bourgeoisie nationale de qu'on vienne passer vacances et en pile l'enfant mis à gain de caille deuxième résidence dans Kenskoff, parce que depuis arrivé dans vacances d'été ou bien fête de fin d'année, c'est Kenskoff que vous montez, pas de gain Miami, pas de gain New York, pas de gain République Dominicaine. Et c'est ça que moi vois que autorité communale actuelle là a fait promotion pour que Kenskoff retourne en destination touristique locale, ok, nationale et même internationale pour que moun yo vienne. Nous faisons un pile nettoyage et m'a profité de remercier magistrat Cité Soleil là. M'a profité de remercier magistrat Pétionville là qui te ba nous support et permettre que nous te kembe commune dans un aspect qui très propre. Et vous capable dit environnement commune là est très belle, est très propre, est très attrayant. Et nous encourager toute l'autre commune dans le pays pour être capable de copier sous commune Kenskoff pour permettre que la communauté belle,
propre et puis attrayant. Normalement, pour fin d'année, nous gagnons en perspective pour nous être capables de faire quelques activités pour Timounio et pour nous être capables d'aider grand monde qui n'est pas capable. Et n'a encouragé mon youtube gens député à soudi pour capable partager ça au gain en fait et fin d'année parce que à chaque nouvel an c'est fait l'amour c'est fait partage et nous encourager tout le monde pour capable et appliquer le vivre ensemble gens député à et fait soudi pour permettre que yo fini année en beauté et pour entrer dans une nouvelle année avec une autre perspective pour permettre que ensemble et pays nous avancer. Et m'a profité tout et voyons un message de paix by tout haïtien qui vivent dans quatre coins pays a, pour permettre que vous déposez les armes, pour permettre que vous courez l'autre et pour permettre que le pays aller vers l'avant parce que nous ne pouvons pas chita à vivre dans un rang, dans une rail l'autre. Je pense que c'est coup les épaules, c'est tête ensemble qui pour permettre que le pays nous avance. Nous sommes la veille, un grand mouvement dans l'église universelle, dans l'église d'Haïti. C'est fête Notre-Dame de l'Immaculée Conception qui peut arriver. Et c'est une occasion pour l'église là pour lui montrer encore une fois proximité par rapport à peuple bon Dieu, à peuple haïtien et créer des occasions, des événements qui capables permettre que peuple bon Dieu a senti que l'église là l'église là ensemble avec lui et l'église là pas la guerre dans le moment épreuve que nous avons vécu. C'est sûr et certain que c'est une vérité de la palisse que pays dans une situation difficile, problème kidnapping, problème insécurité, problème au niveau de l'incapacité de monde qui est responsable politique pour eux, entendre. Vous faites une statistique sur 10 jeunes qui ont entre 18 et 26 ans. Demandez combien il y a de qui voulaient rester dans le pays. Il y en a 10 ou jeunes 3 sur 10 qui fait choix ça. Parce que vous n'avez pas senti comment vous êtes capable de gérer l'avenir vu la situation du pays. Qui monde qui doit parler, qui monde qui peut parler, qui ça qui est capable de dire. L'église catholique jouer et a toujours joué rôle de responsable en dans société. Et c'est pour ça premièrement évêque yo à travers dernière grande réunion conférence épiscopale yo était sorti avec un document côté yo invité peuple bon Dieu à travers un thème pour reprendre confiance. Yo dit pinga nous quitter yo voler ti grâce l'espérance nous gagne. C'est comme des paroles pour pousser le peuple bon Dieu, pour pousser le peuple haïtien, pour être accroché non seulement à la vie, mais à l'avenir et surtout à bon Dieu. Tu as gagné 3 jours de jeûne qui t'est déclaré 5, 6, 7 pour être capable d'aider et proposer le peuple bon Dieu à la prière pour la paix dans le pays d'Haïti. Et demain 8 décembre, c'est un jour côté tout chrétien. Vous pourrez profiter de la fête de l'Immaculée pour non seulement exprimer la foi, mais la prière. La prière pour que bon Dieu dise un mot pour Haïti. La prière parce que le contexte nous a vivant, nous finissons par remarquer que seul bon Dieu est capable de dire un mot de délivrance pour Haïti. Et pourquoi pas dire bon Dieu merci parce que c'est vrai que dans la deuxième vague Corona, mais toute attention de penser que la première vague, là, pour le faire, yon catastrophe dans le pays. Hein? Mais, Maman Marie, après belle nouvelle qui était faite du 20 au 28 avril 2019, en fait 2020, est passé avec le peuple haïtien. Il était pensé que tu avais gagné 2000 personnes qui mourent chaque jour. Mais jusqu'à présent, grosse statistique, ça, on n'a jamais révélé là-dedans. Et nous pensons que 8 décembre, c'est l'occasion, même avec 8 décembre 1942, même avec l'événement de février 1882, même avec gros événement qui est fait 8 décembre 2017, 8 décembre 2020, ça, on a dit mon Dieu merci. Parce que la première vague Corona n'a pas fait tout dégât que vous pensez qu'il pourrait le faire. Nous avons allé plusieurs côtés. C'est le troisième consulat, nous, qui donc avec le troisième groupe
communautaire et que nous avons rencontré. Donc objectif voyage là, c'est d'abord travail avec autorité dominicaine pour nous renforcer le lien qui existait entre deux pays frères. On n'a pas aucun intérêt dans le rapport de la République dominicaine pour nous alimenter polémique, pour nous pas chiter avec eux pour nous travailler. C'est deux pays qui sont condamnés pour vivre ensemble. D'autant que nous avons un paquet haïtien en République dominicaine. L'autre aspect voyage, et dans le premier objectif voyage, je rencontre déjà le président Abinadel, je rencontre le ministre des Affaires étrangères là. Nous travaillons sur plusieurs dossiers. Et une là-dedans, c'était demander autorité dans le discours officiel yo, pour yo banni tout narratif négatif, toute rhétorique négative à l'égard des Haïtiens et à l'égard d'Haïti. Donc pour ça qui dit Haïti son charge pour la République dominicaine, nous voyons son aspect qui est récurrent, qui paraît souvent dans le discours en pile officiel. Moi, je crois que le président Abinadel et le chancelier dominicain, ils te comprennent de Mandela, c'était dans le cadre de relation de bons amis. J'aime ce que dit tout à l'heure, pas qu'il n'y a aucun intérêt pour alimenter la polémique entre deux pays. Parce que faut qu'on vive en frère. L'autre aspect voyage là, c'est ça me fait la Kounia. C'est chita avec Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Pour nous comprendre la situation que le problème a traversé, parce que nous connaissons en pile, particulièrement ça qui a avec l'identité. Mais également, pour moi demander nous, alors pour moi, exposer à nous-mêmes un gros projet que un pile monde dans le pays a commencé à parler de lui et demander nous pour nous approprier nous de projet ça. C'est un projet et une autre constitution. Je dis à moi l'expliquer, nous sommes des cadres, ce qui fait là, nous-mêmes là, moi-même ensemble avec tous les ministres des Affaires étrangères là. Et c'est justement parce que le ministre Claude, il pensait que si le ministère des Affaires étrangères avec le ministère haïtien vivant à l'étranger mettent tête ensemble dans le problème qui vient là, dans le cas résoudre, c'est ça qu'il faut des cabes là, fait là. Et pendant des cabes là, fait là, je pensais que nous allons continuer à travailler ensemble. Et non pas que Dimanche, qui c'est le ministère de l'Intérieur avec le ministère de la Justice et même le ministère Culture, on va laisser Wessin Tarale ou venir nous rejoindre nous dans ça. Parce que je pense que si moi-même avec le ministre Claude, nous avons mis tête nous ensemble, nous avons fait assez de force et pour en balancement pour nous exiger l'autre acteur ou venir pour nous résoudre le problème que nous connaissons, que nous tous là, que ni moi-même ni le ministre Claude Abgoumé pour Wessin Tarale résoudre. C'est le problème d'identification, problème passeport, problème certificat bonne vie et mœurs, problème casier judiciaire, surtout pour les gens qui sont au Chili. Nous avons tout bâillé, ça aucun travail sur là déjà. Alors comme nous connaissons que le pèlerinage a commencé quelques jours là, nous venons faire causer ça là, nous parlons pour nous tendre, parce que nous connaissons ça, nous prenons le tendre là, pas différent de ça nous tendre dans l'autre côté nous passer déjà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un plaisir aussi pour vous d'accueillir le ministre des Affaires étrangères et des Cultes d'Haïti, Dr Claude Joseph, qui depuis son entrée en fonction manifeste un intérêt particulier pour la situation des étudiants en général, à l'une des plus importantes migrations d'étudiants dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, en République dominicaine, plus de 80% du groupe d'étudiants étrangers des universités publiques et privées du pays et viennent d'Haïti. Donc, vous représentez, et pour Haïti et pour la République dominicaine,
un groupe important en termes statistiques, mais en termes aussi d'espoir pour ce que pourront être à l'avenir les relations haïtiennes-dominicaines. Parce que généralement, plus on étudie dans le pays, plus on connaît l'histoire, la culture et les gens, plus on pourra contribuer à améliorer les relations. Et certainement, vous êtes ici, vous établissez des relations d'amitié et de collaboration, de solidarité avec des jeunes qui auront à diriger plus tard leur pays, comme vous. Donc, c'est tout pour vous dire que vous êtes d'une importance extraordinaire pour nous. Donc, je ne suis pas vraiment à l'honneur aujourd'hui. Celui qui est à l'honneur, c'est le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, le docteur Claude Joseph, accompagné du ministre de la Diaspora, qui aussi particulièrement accorde une importance spéciale, non seulement à la diaspora en général, c'est-à-dire à la population migrante haïtienne à l'étranger, mais à cette jeunesse qui représente l'avenir, notamment l'avenir savant du pays, l'avenir des techniciens qui ont à travailler pour le développement du pays. Le Jovenel Moïse m'accordait autant d'importance aux jeunes et à la jeunesse. C'est un privilège pour moi de servir, de travailler comme ministre des Affaires étrangères sous le leadership du président Jovenel Moïse. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin. Je peux dire que je suis un territoire connu, un territoire conquis, parce que j'étais chargé d'affaires en Espagne, j'ai travaillé avec les étudiants haïtiens en Espagne et les étudiants haïtiens qui vivaient en Haïti. Donc, grâce à mon dévouement, ils ont reçu beaucoup de bourses d'études, n'est-ce pas, en Espagne. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec les étudiants. Parce que moi-même, j'étais également étudiant, c'était déjà pas trop longtemps. Et l'espace académique, c'est un espace de prédilection parce que j'ai enseigné également à l'université. Donc, je suis ici, vous savez, ça fait presque une semaine en République dominicaine. Donc, c'est un peu récurrent dans mes discours pour dire que c'est un événement inédit dans les annales de la diplomatie haïtienne. Qu'un ministre des Affaires étrangères reste en République dominicaine pour une semaine. Je peux vous dire que le jeu en vaut bien la chandelle. L'objectif principal, effectivement, c'était d'abord de rencontrer les autorités dominicaines pour travailler au renforcement des liens qui existent entre les deux pays. D'abord, ce qui a trait aux délimitations frontalières, à l'immigration, le dossier des étudiants en particulier, n'est-ce pas? Donc, autant de thématiques pour la plupart très classiques. Nous avons également abordé des questions très sensibles. D'abord avec le chancelier, ensuite avec le président Abinader. C'est pour la première fois que je me sens plus ou moins satisfait tant qu'étudiante qui vit en République dominicaine. Parce que moi, j'ai 12 ans ici, je ne suis jamais un ministre ou qui était passé te montrer que tout il était intéressé comme ça à étudier. Donc, on a manqué pour faire papier, on va faire des démarches qui commencent à faire. Nous félicitons pour l'effort que vous faites déjà pour nous-mêmes n'attendre, parce que l'effort qu'a fait, si le résultat n'est pas bien sorti, c'est un peu pas petit rien. Nous demandons toujours de continuer le travail et toujours prendre ça à cœur, toujours songer que nous avons un groupe étudiant ici, en République dominicaine, qui a souffert pour faire papier. Et puis l'autre bagaille que je voulais mentionner,
c'est que l'économie de tout pays basée sur ça que vous reproduisez ensemble avec et touristes qui rentrent dans le pays. Moi, ouais, c'est un facteur qui fait nous-mêmes en Haïti, pour paquet de bagages, nous ne pouvons pas jouer. Manque de sécurité et puis manque de production. Moi, j'ai plus été sous département production parce que moi, c'est étudiante finissante en génie alimentaire. Génie alimentaire qui c'est une carrière qui travaille sous production. Et en République dominicaine, c'est une carrière où après, président, toute nation, bah, en pile importance. En prenant l'exemple de l'Université Issa. L'Université Issa, c'est l'unique université en République dominicaine qui travaille sous transformation. C'est ça que fait dans l'école langue campus, où après étudiants sortis dans toute zone, dans toute ville, viennent étudier dans l'Université Issa. Étudiants, ça, ils prennent formation même côté avec nous-mêmes haïtiens qui étudient génie alimentaire. Nous faisons pratique même côté avec eux. Dans la même industrie, nous faisons pratique. Des fois, nous-mêmes, on passe ces matières au même plus bien que vous. Ça veut dire que nous avons la même capacité avec nous. Et toute industrie qui gagne ici, c'est les étudiants ici qui travaillent là-dedans. Ni ça qui gagne pour avec alcool, ni ça qui gagne pour avec spaghetti, ni ça qui gagne pour avec produits carnés, produits laitiers, tous ces étudiants ici. Sauf si les étudiants étudient dans l'autre pays. La majorité des produits que nous consommons en Haïti, je suis en République dominicaine. Et me songeais, il y a l'homme qui travaille sur un projet de produit carnet. Côté, en 2012, je crois, tu as gagné un périodiste qui t'a publié, qui dit que tu as perdu en affaire environ 90 millions de dollars américains seulement dans le produit carnet. Produit carnet, ça nous relève jambon, nous relève saucisse, nous relève salami. Ça veut dire où est tout ça que nous pouvons acheter seulement dans le produit carnet. Par contre, en Haïti, je ne connais pas s'il existe, c'est moi qui ne connais pas, ou pas jamais vraiment entendre parler d'une grande industrie qui travaille pour le produit carnet. Et si tu as gagné tout, soit que vous ne pouvez pas parler de lui. Gon paquet de produits que nous avons utilisés qui sortit ici, que nous-mêmes, nous avons des capacités, nous avons fait. Depuis là, nous avons fini, si depuis Dominique, nous avons intelligent, nous avons fait des choses, quelques offres, nous avons commencé à faire, nous avons fait pratique, tout bon travail, côté avons fait 35 000 pesos ou 30 000 pesos, même nous avons senti à des étudiants qui ont touché 30 000 pesos. Comme nous avons la caille pas bon, depuis cours paraît, depuis nous avons senti à toucher 30 000 pesos, nous avons plus ou moins satisfait, tout était là. Nous avons fait des services là. Nous, tous qui l'ont envie, nous retourner la caille. Je ne connais pas si les gens n'ont pas envie de retourner, mais pour moi-même, en pile mon temps, je retourne dans le pays, à servir le pays, spécialement pour moi qui aime le pays. Mais malheureusement, l'insécurité, et puis, nous pas grand monde veut nous venir pour le dire, pour le prendre à cœur. Ça vient faire non seulement nous peur, ça vient faire tout, des choses, nous pas arriver à réaliser. S'il vous plaît, ça que moi-même m'apprendais pour les étudiants. Isayo qui travaille sur transformation, qui n'a agronomie, et puis tout pour tout l'autre étudiant qui l'a, font gens pour nous, comment nous-mêmes qui sortons en République dominicaine, lorsque nous arrivons à Haïti ou bien nous finissons l'étude, nous, comment nous faisons une série de préparations pour nous. Déjà, je vais vous dire que le document, je vais vous porter la langue de côté pour vous, parce que nous avons un congrès constitutionnel de la diaspora, n'a pas organisé le 14, 15, 16 janvier en Haïti. Moi déjà invité pour venir porter à fort venir par Mounio et pour qu'à défendre sa candidature à nous-mêmes. Ça veut dire ça qu'a fait là et pas bagaille, n'a pas voyé par Moun faire pour nous encore. Ça qu'a fait là, président, veut laisser nous venir défendre cause par nous-mêmes. Ça veut dire m'a kembe ça pour mal garder, comme moi pour me tourner là, m'a fait des recommandations, m'a dit qui ça, moi pensé le manquer, qui ça me pensé de mettre la donne, mais moi déjà invité, l'homme de moi invité là, ça veut dire ou après entrer à Haïti, c'est moi qui mette dans l'hôtel, c'est moi qui fait toute bagaille pour qu'Avin défende cause moun sa yo qui a vive avec vous. Bon ici, merci beaucoup. Et moi-même d'abord, et l'aime sorti dans trois consulats que nous gagnons en République dominicaine, alors quatre, l'aime sorti Goué, Barahona et puis Dahabon, qui m'a sauté pour Santiago.
Mais vraiment, je pense que pour ça, je suis là, non seulement mon Santiago est vraiment bien organisé, et consulat avec Staffly, je crois qu'ils ont organisé un événement qui est digne pour recevoir deux ministres, un ministre des Affaires étrangères et puis un ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et d'abord, il faut me faire une remarque sur un répertoire moi, qui existait, de talent qui existait au niveau consulat. Donc, ça me donne mon fait et consul. Et je pense que faut qu'on plus encadrer talent ça yo ou gagner qui en pile là-dedans yo, c'est de recruter sur place. C'est-à-dire que nous avons tout répondre à une question que nous avons ici à se poser. Donc, en dans consulat, il y a un pile recruter sur place. Et moi, je vois que le consul général, l'administrateur, responsable dans le consulat, yo, yo permet que vous dégagez et démontrez ça vous gagnez comme talent. En pile là, nous est vraiment soumettre à attention ministre des Haïtiens vivant à l'étranger des documents. Donc nous parlons soumettre et ministre c'est pour instigateur un gros congrès sur question constitution. Hein? Donc nous avons plus d'espace pour nous débattre question ça. Effectivement, une communication qui fait avec la famille. Et cette funéraille auront lieu jeudi matin, à partir de 8 heures à l'église de Christois. C'est sa famille qui a été décidée. Et il ne faut pas oublier que chez Bourg, il y a quand même un double personnage. Et c'est le personnage de sa famille, ils ont famille. Donc, famille a une décision pour le prendre. Mais il y a aussi le personnage public. L'homme public, comme on dit, et, ou voire même l'homme politique. Donc l'homme public, c'est un homme qui appartient à son public, à son peuple, à sa nation, à son pays, et qui vient une dimension nationale et qui parfois même une dimension internationale. Donc cette dimension internationale fait que dans les familles, effectivement, ils doivent coopérer. Donc ce qui a été fait, ils ont coopéré et les funérailles, effectivement, seront des funérailles nationales. Côté le protocole officiel s'en charge et j'ai communiqué avec les différents ministères, notamment le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. J'ai communiqué aussi avec le ministre de l'Éducation nationale sur ces funérailles et je suis aussi en contact permanent avec le protocole du Palais national pour les funérailles. Les funérailles vont se faire dans un quartier qui est un quartier d'école, un quartier d'université, pas oublié Christois, où nous avons au moins un repérage de 4 à 5 écoles, qu'il a, parmi eux même des écoles pour enfants. Donc, dans ce sens, c'est pour ça que nous parlons avec Sécurité publique, Justice et Police nationale, pour garantir une fluidité de la circulation. Donc, un lien entre circulation et sécurité. Et c'est pour ça que nous parlons du coup avec le ministre de l'Éducation nationale, mon collègue Agénor Cadet, et pour que lui voit comment l'a approché, par exemple en face là on a une mère Marianne, on a un collège Christois, on a au moins 4 ou 5 écoles, une école pour enfants. Donc toute zone ça, c'est une zone qui pour jeudi matin déjà est sous contrôle à partir de conversation que nous faisons avec le ministre qui est concerné par l'événement. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'es capable dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.